Bonjour à tous, Othmane Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, démarrage rotorique chronoampère métrique 4 temps, fonctionnement de montage, une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KA1 ce qui provoque son auto-alimentation. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KA5 se ferme et excite la bobine KM1. Alimente le stator du moteur qui démarre avec les résistances triphasées R2 et R1 et R4 dans le circuit du rotor premier temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM2 se ferme et excite la bobine KM2, la résistance triphasée R4 est chintée, deuxième temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM3 se ferme et excite la bobine KM3, la résistance triphasée R1 est chintée, troisième temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM4 se ferme et excite la bobine KM4, la résistance triphasée R2 est chintée, troisième temps. Le démarrage du moteur est alors terminé. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique, F1, désexcite toutes les bobines et le moteur s'arrête. Composant schéma de commande, transformateur, disjoncteur bipolaire Q3. Contact NF de relais thermique F1. Contact NO de relais thermique F1 pour la signalisation. Bouton poussoir NF S1. Bouton poussoir NO S2. Contact NO de KA1, 13 à 14. Bobine KA1. Contact NO de KM2, 13 à 14. Bobine KM1. Bobine KM2. Bobine KM3. Bobine KM4. Deux contacts NO de KM1 et KM2 pour la commande de leçon de démarrage. Deux relais temporisés, NO, fixés sur le contacteur KM4 et un autre fixé sur KM5. H1, fonction de la bobine KM1. H2, signifie l'absence ou le présence de courant. H3, signifie le fonction de relais thermique. Composant schéma de puissance. 3 linges de phase. Fusible sectionneur Q2. Disjoncteur tripolaire Q1. Discontacteur première tempes KM1. Discontacteur deuxième temps KM2. Contacteur 3 troisième temps KM3. Contacteur 4e temps KM4. Relais thermique F1. Résistance triphasée R2. Résistance triphasée R1. Résistance triphasée R4. Moteur asynchrone avec rotor bobiné M3.